Bonjour! C'est le couple moins actif de YouTube! Salut! Les gars, je suis brune! Voilà, je voulais le dire. Pas vraiment brune. Non, je suis brune, j'ai des petits reflets violets, mais pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous me voyez brune. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà. Bah, moi, je suis brune aussi. Bon, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va jouer à un petit jeu qu'on a vu sur, sur les Marseillais. C'est pour ceux qui se rappellent, le jeu de les amours. Ouais, avec Tex. Le petit truc télévisé là où il posait des questions pour savoir si on se connaît bien dans le couple. Donc aujourd'hui, on a Jamily derrière la caméra. Oui, salut. Qui nous a préparé des questions. Toutes les questions que Jamily va nous poser aujourd'hui, on sait pas à l'avance qu'est-ce que c'est elle qui a préparé ces questions. Donc ça va être simple, Jamily va nous poser une question. Par exemple, quelle est la date de rencontre. Une question à une personne précise. Ah, quel est le dessert préféré de Sylvain. Voilà, donc là j'écris ma réponse, mon dessert préféré. Et Kayana va devoir répondre sur l'ardoise. On retourne si on a la même réponse, ça fait un point. Si on n'a pas la même réponse, ça fait zéro point. Le but de cette vidéo, c'est de savoir si on s'aime vraiment, si on se connaît vraiment. Si à la fin de la vidéo on a plein de points, tout est bon, on se connaît bien. Sinon on va devoir revoir les informations. Non, okay, de base on est confiant parce que en soi on se connaît assez bien, tu vois. On n'a pas révisé, c'est promis. Ouais, on a pas révisé. C'est promis, on n'a pas révisé. Bah c'est tout quoi, c'est bon, on commence. Et c'est bon. Ok, bonne chance, c'est parti, on va voir si on se connaît bien. Let's go. Première question. Alors, tu triches pas, hein, dégage. Première question pour Kayana. Kayana, ouais. Quelle est la partie du corps que Sylvain aime le plus chez toi? Ah, je sais pas. La partie du corps? Ouais. Ça englobe lèvres, yeux. Oui, tout. Attends, je sais pas. Je vais mettre un truc. C'est-à-dire que c'est moi qui ai écrit la bonne réponse et tu dois avoir la même que moi. Oui, tu dois avoir la même que moi. Ce que j'aime, ce que j'aime le plus chez toi. Ouais, et toi je dois trouver la même que ceux qui aiment le plus chez toi. Attends. Ah mais cache-toi ton ardoise. Oui, attends. Il y aura un chrono là. Hein. Si je mets un truc, il faut que tu mettes pas. Non, c'est moi qui dois écrire en premier. Mais à trois, vous allez retourner en même temps alors. Ouais, ça englobe yeux, tout, la partie du corps. Mais c'est pas toi qui dois réfléchir déjà. Oui, mais je te dis. Et si je mets un truc et que tu veux parler, je te défonce. Vas-y, moi je mets. J'ai pas encore écrit. Oh là, ça c'est un point perdu, je vous le dis d'avance. Hé hey, j'ai posé la caméra, elle l'a pas vu. Non, elle l'a vu. C'est bon. Ça c'est un point perdu. Attendez, je compte. 1, 2, 3. Lève, bouche. Wouah. My G. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que lui, des fois, quand on regarde la télé, il aime trop toucher ma bouche. Genre, il touche ma bouche, on sait pas pourquoi. Oui. Donc voilà, j'ai ou il touche ma bouche, ou il me touche les oui, ongles. C'est que ça, c'est que ça. Ah, j'étais pas sûr, hein. Bah, je savais. Alors, je mets un point pour t'as vu comment on s'aime. Un point, let's go, c'est parti. Alors, Sylvain, quelle est l'odeur préférée de Kayana? Alors, si tu connais pas, mais moi, je sais. L'odeur préférée? Ouais. C'est une odeur bizarre. Et pourquoi l'odeur préférée c'est une odeur bizarre? T'as bigote? Je sais pas, moi je pense avoir. Non, une odeur qui sent bon ou une odeur préférée? L'odeur. Non, mon odeur préférée, je sais quoi, hein. Un truc que t'aimes bien sentir. Cache ton. Oui, truc. Va pas mettre, je sais que tu vas mettre quoi, mais c'est pas du tout ça, hein, je t'explique. Hein. Moi, mon odeur préférée, j'en ai qu'une au monde. Et j'aime trop cette odeur là. Attendez. J'ai même des savons à ça. Non, mais c'est trop d'indices là. Oui, mais c'est pas ça. Donne pas trop d'infos. Attends. Laissez-moi réfléchir. Parce qu'en fait, je voulais mettre un truc qui il allait mettre les égouts, la cave. Je sais qu'il allait mettre ça. On va vous expliquer pourquoi. Je te connais par cœur, je sais que t'allais mettre ça. Moi, c'est bon. Moi aussi, j'allais mettre la cave. Bah oui. Mais non. C'est mon odeur préférée, arrête d'abuser. J'aime bien sentir, arrête d'abuser. Oui, c'est une odeur que j'aime bien sentir, mais c'est pas mon odeur préférée. Je sais pas, vas-y, j'ai écrit ça. Parce que normalement, en vrai, c'était pas ça que tu devrais écrire. Bah si, mon odeur préférée, c'est quoi? Ok. 1, 2, 3. Mon oeil. Donc Anna, ton odeur c'est la cave. Ouais, arrête d'abuser, frère. En vrai, pour de vrai, attendez. Le point est perdu, mais je vais vous expliquer un truc. Attendez. Kayana, elle aime bien sortir. C'est son délire. Elle aime bien sentir les trucs renfermés. Comme une éponge qui a accumulé de l'eau et qui est enfermée. Elle aime bien sentir. Ou bien une odeur de cave. Un endroit bien humide, bien mais, dégueu. Okay, j'aime bien l'odeur, mais mon odeur préférée c'est pas ça. Bon, c'est pas ça bon, mon odeur préférée. Là, on a perdu le point. Je suis fair play. Mais quand est-ce que tu m'as dit que ton odeur préférée c'était le mon oeil, s'il te plaît? Tu demandes à ma mère va dire c'est le mon oeil. J'aime trop le mon oeil, ouais. Oui, mais c'est pas le mon oeil que tu sens, c'est les trucs renfermés. Non mais le mon oeil, j'attends, j'ai des parfums. Vous voyez Kayana, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai de l'huile pour les cheveux au mon oeil, j'ai un savon de corps au mon oeil. Quand il y a une éponge qui accumule de l'eau, elle sent comme ça, elle fait... Ou bien elle met l'eau dans sa bouche, elle fait... Eh, un délire bizarre de tortue ninja qui vit dans les égouts là. Bon allez, un point sur deux. Là c'est raté ça. Non mais vous allez penser pas que c'est mon odeur préférée non plus, arrêtez d'abuser. Vanille, mon oeil c'est à peu près... Je savais que vous alliez dire ça de toute façon. Elle quand elle a dit, elle savait, je savais qu'elle allait. Mais je pensais qu'elle allait dire. C'est pas grave. Question suivante. Kayana. J'ai peur. Quel est le plus grand complexe de Sylvain? Le plus grand complexe? C'est pas un complexe mais c'est un truc qu'il aime pas chez lui. Parce qu'il a pas de complexe. Ok. J'aime pas chez moi. Mais moi je sais pas, ouais, je t'écris un truc que j'aime pas moi. C'est un truc
qui a pu te déranger ou pas te déranger, c'est ça ce qu'ils disent. Attends, attends, bon, c'est le seul truc qui a pu me déranger, ouais, c'est vrai. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, parfait. Tache sur le visage. Tache de naissance, c'est mon visage, bon. Bon, c'est pas vraiment une tâche de c'est plus un complexe, c'est plus un complexe, mais quand j'étais petit, c'était un complexe parce que les gens ils se moquaient de moi. J'en ai pas. J'en ai non, pas mais ça reste un truc qui le dérange pas. J'en ai pas su faire, hein, vous inquiétez pas, mais c'est juste. C'était gênant. Mais c'est pas une tâche de naissance, ça veut dire que c'est une tâche de naissance. Non, mais j'ai pas donné tous les détails médicaux aux gens, c'est une tâche de naissance. Enfin. Question suivante, Sylvain. Ça fait, attends, ça fait 2 points sur 3 là. Ouais, Sylvain, quel est le métier de rêve de Kayana quand elle était enfant? Je crois pas qu'il sache. Attends, bon, je sais pas. Bah allez, là je suis en total impro les gars. Penche un peu ton truc quand même. Stripteaseux je pense. C'est bon. Les gars là, j'ai pas. Oh, je dit plein de fois. Je suis parti sur une généralité là. Ah, non, je sais il a mis quoi. Oh, je deux, sais. 3. C'est pas ça. Vétérinaire il a mis. C'est pas ça. Vétérinaire mais elle aime même pas les animaux. Hôtesse de l'air, j'ai toujours voulu être hôtesse de l'air. Mais si t'aimes les singes. Oui, mais j'ai jamais voulu être vétérinaire. En plus, d'abord, on parlait quand t'as dit ah, oh, toutes les filles voulaient être vétérinaire. Je t'ai dit pas moi, moi hôtesse de l'air, c'est Lily, c'est pas toi. Pourquoi tu voles les rêves des gens? Non, hôtesse de l'air, ça a tout le temps été moi. Hein. Bon, c'est pas raté alors. Tu m'as jamais dit en tout cas. Dès le début, c'est vrai que j'avais pas trouvé parce que tu m'as jamais dit ça. Si, je pensais que t'allais un peu trouver. Hein. Tiens, t'es nul. C'est toi qui es nul, débile. Ça va, ça fait 2 mauvaises réponses et 2 bonnes réponses. Ah bah j'espère que c'est la dernière mauvaise. Vas-y, c'est bon. Kayana, t'es prête? Oui, je suis prête. Quel est... Mais penche un peu ton ardoise quand même. Oui, c'est bon. Kayana, quel est le plat préféré de Sylvain? Facile. Vas-y, compte. C'est bon. 1, 2, 3. Du chatrou. Chatrou, c'est bon. Le chatrou, c'est... C'est du poulpe. C'est du poulpe, enfin aux Antilles on appelle ça du chatrou, mais c'est ouais. Du poulpe. Poulpe, riz, haricots rouges, c'est mon plat préféré. Quand je vais aux Antilles, je me régale. Bonne réponse. Grâce à moi. Je me suis déjà exprimé sur ça. Toi, ton odeur préférée, ton truc plus tard quand t'étais petite, ça tu t'as jamais parlé de ça. Ouais, à part la cave. Il y a même pas longtemps. Là, à part la cave. J'aurais dû écrire la cave parce que je savais que t'allais mettre ça. Mais c'était de la triche si je mettais ça. Sylvain. Ouais. Quel est le film préféré de Kayana? Il arrive jamais à le dire. Ah, oh c'est là bon, là. je l'ai. T'as? Ouais. J'espère que tu l'as correctement. Alors là, les gars. Là, j'ai. Il a jamais voulu le voir avec moi. Allez. 1, 2, 3. Des poupées et des anges. C'est bien ce que j'ai écrit. C'est vrai? C'est validé. Oh, je connais même pas celui-là. Tu connais pas des poupées et des anges? Tu devrais le voir. C'est un film que tu vas aimer. C'est avec Vincent Cassel et Samina Siri. C'est Samina Siri. Ah, c'est que Samina Siri, ok. Samina Siri. Ok. Ouais. C'est bien. C'est bien. Ouais. Et je pense que ça aurait été la question inverse, t'aurais pas trouvé. Si, Spider-Man. Hein. Ah, Kayana! Question qui fâche. Kayana, quelle est la partie du corps que Sylvain regarde en premier chez une femme? Je sais, c'est quoi. Vous êtes prêts? Ouais. J'ai peur. Allez. 1, 2, 3. Visage, ouais. Ah c'est bien, parfait. Carré dans l'axe. Pourquoi tu m'as regardé comme ça? T'as eu peur, vous avez eu peur? Non, moi je savais que t'allais dire ça. Les abonnés, ils ont eu peur hein. Sylvain, t'es prêt? Ça fait combien là? Ça fait 1, 2, 3, 4. 4 réponses sur 6. Ouais, 4 bonnes réponses. Ok. C'est bon, c'est un très bon score. On est sur 2 ratés pour l'instant, tout va bien. Sachant qu'il y a 10 questions, c'est ça? 10 questions, après on a des petites questions bonus. Après. Ah, il y a des questions bonus. Alors, Sylvain, où s'est passé votre premier bisou? Ok, on va vous expliquer après parce que l'écriture elle va être bizarre. C'est bon. 1, 2, 3. Au lycée, bâtiment. Premier étage, ok, escalier. C'est la même chose, c'est le même bâtiment. Ouais, bâtiment B. Alors. Entre le premier étage et le rez-de-chaussée, parce qu'on était un peu indécis. Quand on dit bâtiment B, imaginez pas un endroit lugubre. Ouais. C'est les escaliers pour aller en cours, voilà. Mais voilà, on s'est fait un bisou, j'allais en cours d'espagnol. Oh, je suis arrivée en retard. Voilà, Djavili est témoin. Y'a pas de mensonge, tout est vrai. J'arrive en retard. Passe le truc, s'il te plaît, pour essayer. Madame, je suis en retard, j'ai raté mon bus. Mytho. Voilà. C'était moi le bus. Je suis choquée. Vas-y. Kayana, combien d'enfants veut Sylvain? Alors là, je te l'ai dit. Putain, Kayana, c'est pas ça là. Oh. C'est écrit déjà ici. Attends, cache. De toute façon, mais je peux voir dans ce contrôle les cas. La réponse est déjà écrite ici. C'est bon. Attends. Réfléchis bien. C'est bon. Allez. 1, 2, 3. 2? T'as mis 2? T'abuses. En plus, j'allais mettre 2, je me suis dit. Non, t'abuses. Ah, t'abuses.
On coupe, c'est fini. Mais j'allais mettre deux, je te promets. C'est fini. Je t'ai dit, s'il y a des jumeaux, ça me suffit voilà, de terminer. Oui, mais s'il y a des jumeaux et. Bah, c'est des jumeaux. Non, parce qu'en fait, je t'explique. Vous savez pourquoi j'ai mis trois? Parce qu'en fait, on s'est toujours dit qu'on voulait deux enfants. Sauf qu'en fait, moi, mon père, c'est un jumeau. Ça saute une génération. Mais moi, je veux faire deux grossesses. Ça veut dire que si dans ma grossesse, j'ai des jumeaux. Ben je voudrais quand même la question c'était Sylvain veut combien. Oui mais en fait c'est pour ça que j'ai mis 3 parce que je pensais qu'on était. Là tu nous as fait perdre, là tu nous as foutu la honte. Voilà, France entière. Ah, j'aime trop ce jeu. Sylvain, est-ce que t'es prêt? Ouais, là c'est la dernière. Elle répond bien. Dernière question. Applique-toi, hein, applique-toi. Oui, et mens pas. Hein, c'est toi Sylvain. Vas-y. Dernière question. Vas-y. Et une question très importante. Très 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 importante. Le finish. Arrête, enfin petit bonus. Vas-y. T'es arrête, prêt son bonus. Ouais. Sylvain. Sylvain. Quel suspense. L'endroit parfait pour une demande de mariage à Canada. Il y a tellement d'endroits. Un endroit où il fait froid Canada, ou un endroit où il fait chaud écrit, hein. Selon Canada. Oui. Là ça va être un moment décisif. T'as pris un truc de rêve. Un truc. Non mais c'est un bon truc de rêve. Bah oui. Ou un truc féerique. Non, pas Féric. Okay. C'est bon? C'est bon. On peut tourner? Je sens que c'est pas bon. 1, 2, 3. Oui! Oh. Oui! Champagne! Champagne! Par contre, c'est les Maldives. Ouais, bah dépêche-toi. On va pas le même endroit, toi et moi. Dan. C'est gagné. Attends, il y a des questions bonus. Oui, mais il faut effacer là, Sylvain. Ah, qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'en fait, les gars, j'ai hésité avec New York. Je savais que t'allais dire ça, c'est pour ça que je t'ai dit pas féerique. J'ai dit New York. Et en plus, j'aime pas trop New York alors. Patinoire, tout ça. C'est pour ça que j'ai demandé est-ce que c'est féerique. Parce que féerique, c'est plus New York. Alors que rêve, c'est plus Maldives. Excusez-nous hein, sur les ratés là. Les ratés, c'était des questions un peu. Non, mais là, c'était. En fait, tous les ratés, c'est toi. Toi, tu savais pas vraiment ta réponse. C'est Monoï, Cave et Bébé. Voilà, c'est toi, les trois fois. C'est toi qui devais savoir. Les amis, on va partir sur 20 points. On avait dit 10, en fait, on va faire sur 20 points. Et on va voir pour l'instant, on a 8 sur 10. Non, 8 sur 20. Il nous reste 10 questions. Ouais. Donc voilà, c'est parti. Alors, Kayana, quel est le pire cadeau que Sylvain t'a offert? Ah merde. Le pire cadeau que je t'ai offert. C'est vrai, il est sûr de lui, par contre. Je sais, parce que en fait, avec de la réflexion, c'est tellement haut. C'était pas beau, en vrai. Tu parles de quoi là? Je crois qu'on va pas du tout écrire la même chose. C'est pas grave, ça nous fera un point à moi. T'as qu'à t'appliquer. Le pire cadeau que je t'ai fait, hein. On va pas inventer des trucs. Hein. Bah non, bah pour moi, c'est ça. C'était tellement moche. Mais Vas-y, vas-y. 1, 2, 3. Il a mis quoi? Rome Martinique, le jogging à Zara. Oh, quel jogging à Zara. Alors là. Non, mais les jogging à Zara, c'était vraiment moche. Là, ça a mal se passé, les gars. Vous avez vu ce qu'elle vient d'écrire là? Elle a dit le pire cadeau que je lui ai acheté. C'est elle qui m'a dit d'acheter ça. Non, c'est toi qui as dit, oh, t'aimes bien ça. Et non, 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 non. Tu m'as montré un jogging. Même elle m'a montré un jogging et m'a dit, Kayana, arrête d'abuser. C'est toi qui as dit. La vie de ma mère, t'as montré ce jogging là. Et j'ai dit, bon, ouais, j'aime bien. Bon, les amis, pardon, il y a une petite coupure parce qu'il n'y a plus de batterie. Je vous explique. Là, Kayana nous a fait perdre un point à la vie de ma mère parce que la robe en Martinique, c'est une robe que j'ai achetée. Après, quand j'ai bien réfléchi plus tard, après, elle était nulle. Donc voilà, non, c'était vraiment moche, j'avais oublié en fait. J'ai pensé à ça. Mais Kayana, elle me dit, vous avez vu ce qu'elle a écrit là, jogging là. Ben, en fait, on était à Zara. Elle m'a montré, c'est elle qui m'a montré, hein, je vous jure, c'est vrai. Elle m'a montré des jogging. Je les ai juste achetés. Elle a dit, ouais, j'aime bien ça, j'ai acheté comme cadeau. Donc en gros, c'est elle qui m'a montré. Et là, elle écrit, c'est le pire truc. C'était vraiment laid. Donc en vrai, je me sens pas concerné. Non, mais en fait, la robe. C'est elle qui a choisi cette jogging. Enfin, le kimono là de Martinique, et eh ben je l'avais oublié, mais c'est vrai que c'était vraiment laid. Voilà, ça c'est un truc que j'ai acheté vraiment. Les jogging, c'est toi qui avais choisi. Bon, voilà. T'avais raison. On enchaîne. Question suivante. Ok, attends. Sylvain, quel est le surnom de Kayana étant petite? Si tu te trompes, c'est toujours le même. Eh, ton surnom, hein. Mon surnom. Étant petite, ton blaze. Ouais, étant ton... petite. Ah, mon blaze, pas oui. Mon surnom de ouais, famille. Ouais, mon blaze. Ah, ok. Désolé, blaze, je me suis mal exprimé. Okay. Comment on l'écrit déjà? Putain de vous. Bon, vous allez comprendre, j'étais tout mal écrit, vas-y, c'est parti. 1, 2, 3. Chouxi. Chouxi. Darsha and Cut. Ouais. Tu rigoles toi, mini kitchiki? Traîner un chat, on va t'en foutre. Ah, okay. Un blaze de Châtelet, vraiment. Ok. Et CJ Agenda, on en parle toi aussi? Non, on n'en parle pas. Ok. Calmez-vous, je vous le dis, moi. Kayana, quel est l'instrument de musique que Sylvain aimerait jouer? Vas-y, écris. Que j'aimerais jouer, hein. Ouais. Genre, j'aimerais faire ça. Ouais, c'est bon. C'est un point perdu les amis. Là on va aller nulle part là. 1, 2, 3. Piano. My G. Mozart, Capitaine Jackson. T'as vu comment on est fort?
T'as cru t'allais mettre guitare. Mais alors, tombé, du coup, hein. Tu veux faire du piano, t'es techie toi. Ah, pardon. T'es qui fait du piano? Je sais pas, mais. Ah, je sais pas. C'est une mélodie douce. Ouais, c'est sérieux. On est à 13 sur. Non, on est à 9 sur 13. On est à 9 sur 13, donc on a 4 de ratés. À cause de Sylvain. Je ne le pointerai pas du doigt. Donc c'est parti. Question suivante. Kayana, quelle est la couleur préférée de Sylvain? Et commence pas à réfléchir. Bon. Oh là là. 1, 2, 3. Non, noir. Bon, c'est pas une couleur. Oui, c'est ce que je lui dis tout le temps, mais noir. Ok, noir. Elle peut rien écrire d'autre, c'est noir. Bonne réponse. Sylvain, quelle est la date et l'endroit de votre premier voyage? La date? Oui. J'ai l'année. Bon, l'année, c'est pas j'ai l'année, l'année aussi. Notre premier voyage, hein. Oui, année et endroit. Attends, je suis pas sûr de l'année. Ah, moi, je sais le jour précis. Je l'ai pas, moi. Alors, non, je sais le jour où il est parti. Donc, il est arrivé. Arrête de donner des infos, là. Bon, c'est moi, j'ai écrit l'année et l'endroit. Le jour, j'ai pas. C'est impossible. Tu te fatigues, là. Ma réponse est déjà écrite. Tu pourras pas changer notre destin. C'est bon. 1, 2, 3. 2015, Portugal. Ah ouais, donc en 2016. Ouais, c'est en 2016. Il avait 16 ans, c'est 2015. C'est pas possible. C'est pas 2015. C'est 2015, on était 99, on avait oui, 16 ans. On est parti un an de relation, on est parti. Mais non. Alors, on s'est mis ensemble en 2014, on est d'accord. On a fait l'année, donc on s'est mis en septembre. Donc en décembre, c'est 2015, on est d'accord. Donc. Après, en juillet, on n'est pas parti en vacances ensemble. Puisque ma mère, elle allait pas me l'emmener dormir avec moi alors que ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. On avait 16 ans. C'est en 2016. J'ai la date dans mon téléphone, hein. Fais gaffe. Mais on avait 16 ans. C'était en 2016. On avait 16 ans ou 17 ans c'est... On avait 17 ans, c'était en 2016. Ah, toute ta vie t'as dit on avait 16 ans, maintenant tu dis on avait 17 ans. Elle fait perdre à chaque fois, c'est pas possible. C'est moi qui te fais perdre, hein. Je vais te taper. Hein. Bon, petite croix de mon côté. Ah, t'es faite. Mais après, vous avez le bon endroit, c'est déjà bien. Les amis, vous m'accordez ce point. Regardez, j'ai corrigé, j'ai mis 2016. Et j'avais le bon endroit, c'est juste que je me suis trompé dans les dates. Il s'est trompé le pauvre. En fait, c'est pas grave, moi je t'en veux pas. Tu m'en veux pas? Non. Tu me valides la réponse? Non, pour moi je lui donne le point. Tu me donnes le point? Allez, c'est on enchaîne. Jamily. Non, allez, je lui donne le point. Merci Jamily. Allez, question suivante. T'as oublié, en plus ça t'as des problèmes de mémoire, on va manger plus de poissons. Kayana, est-ce que t'es prête? J'ai peur quand tu dis Kayana, j'ai l'impression que je joue ma vie, vas-y. Kayana! Quand on est encore dans les voyages, on va finir là-dessus. Le pire voyage de Sylvain. Compliqué. Le pire voyage. Parmi les voyages qu'on a fait, le pire que pour moi. Je sais pas. T'en as pas un? Moi j'ai un. C'était pas le pire ni le mauvais, mais t'avais. Moins kiffé. Pas moins kiffé, genre c'est même pas genre de pas kiffer. Mais à chaque fois il le dit que. Vas-y, écris, hein. Non, c'est sûr, c'est pas ça. Ouais, j'écris, je sais que c'est pas ça. Vas-y. 1, 2, 3. C'est pas ça. Portugal, et toi c'est quoi? Tu sais pourquoi j'ai mis Portugal? Je vais te dire pourquoi j'ai mis Portugal. T'as mis. Thaïlande. C'est pourquoi j'ai mis Portugal? Parce que quand il est venu au Portugal pour la première fois, et ben il avait, on était petit donc il avait pas beaucoup d'argent. Et à chaque fois il dit ouais, je suis yombe de pas avoir eu beaucoup. Je te jure, c'est vrai. Sylvain, je veux pas dire la date, ce serait plus compliqué. Mais l'endroit de votre premier date, c'est-à-dire où vous êtes partis vraiment ensemble, rendez-vous galant et tout. Moi j'ai un truc dans la tête qui me vit. Canard, regarde, tu regardes quoi? Moi mon premier date, je sais quoi, hein. C'est sûr de ça. Si elle les a mis, c'est la famille, ça, la menti. Voilà, la menti. En fait, ma réponse elle est tellement nulle que je me dis c'est pas ça. Elle a bien versé, moi je vais te mettre une baffe, non? Quoi? Elle s'est genre bien. Date, hein? Un date, tous les deux, hein? Oui. Tous les deux. Oui. Ok, un, vas-y. 1, 2, 3. Ah! Okay. Ah! Mikey! Vous avez vu? Et vous savez, c'est pourquoi? C'était pour fêter nos 2 ans. Voilà. Et parce que les 1 an, on les avait fait au chinois avec tous les potes à Sylvain. Voilà. Enfin, toute la classe à Sylvain. Tu te rappelles ça? Parce qu'on était en cours juste avant. Bah, au pizza et aussi. Allez, on enchaîne. Pas mal. Kayana, est-ce que tu es prête? Question facile. Quel est le métier de rêve de Sylvain étant petit? Ok. C'est bon? 1, 2, 3. Footballeur, c'était sûr. Ça n'a jamais changé, mais bon. Ah, ligament croisé. Ah. Ligament croisé. C'est complexe. Sylvain, comme je sais que t'as des problèmes avec des dates, on va compliquer les choses. La date où vous êtes mis ensemble et l'heure. Si tu peux bon, les gars, j'ai pas. Moi j'ai l'heure. J'ai pas l'heure, hein, mais les gars, là j'ai pas avoir l'erreur. Moi j'ai l'heure, je mets l'heure. Si t'as l'heure, vous avez un point en plus. Ah ouais? Ouais. Ok. Oh putain, j'ai écrit n'importe quoi. J'ai écrit 1999. Tu crois que je suis née avec tout ou quoi? Ouais, et l'heure. J'ai dit ça quand? Moi je l'ai, hein. J'ai dit ça le soir. Ouais.
c'est lui qui m'a dit. On fait une amoureuse. Allez, 1, 2, 3. C'est presque sur l'heure. 29.09. 21h34. Comment ça 34? T'es con, c'est 34. Non, parce que je l'ai noté dans mon agenda. T'es à 22h, ouais. Elle, on lui dit l'heure, elle met à 21h34. Elle veut pas gagner de points. C'est parti. Sylvain, quelle est la paire de rêves de Kayana? De chaussures, de sneakers. Ça, je sais, les gars. C'est bon. Tu comptes? Ouais, attendez, parce que sinon il écrit de rédaction. 1, 2, 3. Jordan 1, Melody. Melody et Shani. Moi j'ai dit Jordan 1, mid, Melody et Shani. Melody Shani, pardon. Ouais, Melody et Shani. Je sais pas si c'est une mid. Parfait. Une... Ouais, c'est une mid. Ouais, Melody et Shani. Celle avec la montre pour ceux qui savent pas. Trop belle, magnifique. Ça, c'est gagné d'avant. Ça, c'est des questions faciles, les gars. Ouais, allez hop. Kayana. Yes. Quelle est la voiture de rêve de Sylvain? Ça, c'est facile. Je sais pas comment on l'écrit. J'ai déjà fini d'écrire, tellement c'est une voiture de rêve. Vas-y. 1, 2, 3. Urus. Lamborghini Urus. C'est sûr comment t'as écrit Lamborghini? Ah, Lambo Urus, ouais, c'est bon. Ouais, Lamborghini Urus, ouais, quand on est à Dubaï, je la vois tous les jours. Vraiment une voiture de rêve, voilà. C'est trop loin, c'est trop loin. En quelle couleur? Noir mat, hein, tu connais. Hein. Ok. Agressif. Ouais. Sylvain. Comment elle dit ça? Elle fait peur, hein. Moi aussi elle fait peur quand elle dit ça. Sylvain, qu'est-ce que Kayana fait en premier à son lever? À son réveil? Ouais. Alors là. Et dis un truc sérieux, hein. Je dis la vérité, hein. Sinon tu dis la vérité. Bon, en fait, là, les gars, je vais écrire ce que quand je me réveille et quand je la vois, ce qu'elle fait. D'accord? J'ai écrit comme un Google. Ah. C'est sûr, on n'a pas la même chose. Deux. C'est sûr, on a pas la même. Trois. La première chose que je fais, hein. Elle mange. Je mange. Bête Sylvain. À quelle heure je mange quand tu te réveilles? Je mange même pas de la journée. À chaque fois que je me réveille, t'as en train de manger quelque chose. Mais quand. Là, il l'a comment il ment. En fait, voilà qui ment. Ah. Non, en fait, toi t'as un problème en fait. Où je mange un pé Sylvain? Là, ça me fait pas rire d'ailleurs, ça me fait pas rire. Je mange même pas de la journée. Ouais, ah. Non, mais il m'énerve, je mange pas dans la journée. Il est bizarre lui. Mais quand je me réveille, tu es en train de manger ou. Manger quoi? Ou des biscuits, ou des trucs au Nutella, ou un café chaud, ou un truc. Arrête, quand je te réveille, déjà regardez comment il ment. Parce que quand je le réveille, c'est que je suis en train de l'embêter. Dès que je me réveille, la première chose, où je le tape, où je lance mon doudou, où je tire, où je pince. Ah, c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Mais pourquoi tu dis pas ça? C'est pas pour toi que tu fais d'un toi réveillant. Mais je mange pas. Tu te réveilles, tu vois, arrête, quand tu reviens, tu m'embêtes. Je vais te taper. Dans l'ordre, tu viens pas directement m'embêter. Si, la première chose que je fais, c'est ça. Je regarde l'heure et je viens me taper. C'est pas grave, on a perdu trop de points à cause de toi. Attention. Aujourd'hui, t'as bien vu. Dans tous les cas, on a un faux couple. Je te déteste. Je te jure, là, tu fais que de la merde. Vraiment. Kana, faut doser. T'as dit que tu manges pas. Mais je. Non. Je mange pas. En fait, quand je me réveille, je mange pas de. Je mange pas. Arrête, ouais, tu grignotes quand je te réveille. Arrête de mentir, je grignote quoi? Je cherche des trucs à manger, wesh. Tu me rends compte, je suis un rat en fait. Non, je cherche des trucs à manger quand je te réveille. Arrête de dire de la merde. Quand je me réveille, c'est pas ce que je. Et je me dis, je vais te taper. Je vais te taper. Au début, elle est violente. Ça me fait pas rire parce que voilà que je mange pas de la journée. Question suivante. Je mange après. Non, mais je mange pas genre à me réveiller, je mange le soir, genre je mange pas dans la journée. Question suivante. Kayana, quelle est la boisson préférée de Sylvain? Ok, écris vite, hein. Je suis tendue là. C'est bon? 1, 2, 3. Vita Malt. Dégueulasse. Ouais, parfait. Oh, dégueulasse. Sylvain, quel est le signe astrologique de Kayana? Oh, parce que le contraire, je savais pas. Allez, on enchaîne, on enchaîne. 3. Balance. Parfait. Et ouais, ouais. T'es une grosse balance. C'est pour ça que je t'énerve. Ouais, les cancers, les balances, ça va pas trop ensemble de base. Kayana, date de naissance et lieu de Sylvain. Tu sais toi? Bah oui. Mais écris. Tu vas pas me décrire. C'est bon. 1, 2, 3. 22 mai 1999 à Fontenay-aux-Roses. J'ai pas fini d'écrire. Ok. C'est ça. Ok, à Fontenay-aux-Roses. C'est ça. Que la dernière précieuse. Merci Jamily. Bon les amis, la vidéo s'arrête là. Voilà. J'espère que vous avez kiffé. Désolé, bah aujourd'hui on a prouvé qu'on était un couple qui ne se connaissait pas du tout. D'ailleurs, je donne la bague. Voilà, peut-être dans une autre vidéo il me la redonnera, mais là c'est out of stock. Tu peux la poser à tes côtés, on en parlera après. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère que... Arrête, concentre-toi. Bon les amis, vous avez vu que toutes les erreurs venaient de Kayana. Sinon à part ça, on se connaît parfaitement. Kayana a inventé toutes ses réponses. Okay, okay. Voilà, donc les amis, la vidéo s'arrête là. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, partagez-la. A plus. Ciao.